Monsieur Joël Giraud. Oui, merci, Président. Vous avez brièvement évoqué les questions de R&D comme élément de la sortie de crise. Par contre, je n'ai pas entendu grand-chose sur l'innovation sans laquelle nous ne pourrons pas affronter les grandes questions énergétiques qui nous attendent dans le secteur de l'automobile. Alors, selon vous, comment préserver les activités de R&D et comment se saisir de ce moment particulièrement douloureux pour proposer des plans de formation audacieux en lien avec cette stratégie? Comment faire en sorte que l'alliance imaginée avec General Motors le soit au service de l'innovation et que cette alliance ne soit pas une opportunité ou une inopportunité économique, mais permettre d'affronter au mieux les mutations en cours en se positionnant sur les marchés du futur et en particulier sur les véhicules décarbonés en conformité avec l'évolution des normes européennes.